ilay andriandahy kely. Mitady namanao. Fa inona ho any dikany hoe mamolaka? Zavatra efa adiny loatra izany, hoy ilay fosa. Dikan'izany dia hoe mandroy fihavanana. Mandroy fihavanana hoe? Izany tokoa, hoy ilay fosa. Ianao izao ho ay dia mbola zazalahy kely mitovy tanteraka amin'ny zazalahy kely anahetsiny hafa. Ka tsy mila anao aho. Ianao koa tsy mila. Fosa mitovy amin'ny fosa anahetsiny hafa fotsiny aho ao anao. Kanefa raha folainao aho dia ilanao aho ary ianao koa ilay. Dia ho tokana matany ianao ay ary ho tokana matany koa aho anao. Quelle que soit la langue de traduction, l'essence de l'histoire racontée dans Le Petit Prince reste intacte. Celle qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux et que l'on est responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. Comme de nombreux pays, Madagascar a aussi sa version de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. L'ouvrage est sorti en 1946 et depuis, il accumule tous les records. 200 millions d'exemplaires vendus, 400 millions de lecteurs, 400 traductions officielles. Ce qui en fait l'ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible et le Coran. Une première édition de la traduction malgache a été publiée en 1996 aux éditions Foi et Justice. Puis, l'ouvrage traduit en malgache a été réédité par les éditions Jeune Malgache. Comme c'est un classique très connu, évidemment... Tout le monde est intéressé, c'est étudié dans les écoles françaises. Mais le souci, c'est que c'est très difficile à vendre parce que le livre est très volumineux, 96 pages. Et donc, ils ont pris 5 ans pour vendre les exemplaires qu'ils ont fait à ce moment-là. Et donc, quand le stock est épuisé, il y avait des gens qui ont encore demandé. Ils ont décidé de ne plus faire la réédition. Et là, à ce moment-là, donc notre maison d'édition a décidé de rééditer le livre. Quand le projet de rééditer la version en malgache de l'ouvrage est né en 2009, la négociation du rachat des droits a été plutôt âpre. À l'époque, la maison d'édition de Marie-Michel Razaf Tsalam n'était pas encore connue en France. Il a fallu... une recommandation de l'ambassade de France ici pour appuyer notre demande et aussi le réseau Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants dont nous sommes membres, donc qui nous avait aussi aidé à négocier le rachat. Donc ça a pris 2 ans. Même si Le Petit Prince est tombé dans le domaine public depuis quelques années, la famille de l'auteur a déposé la marque de tous les dessins originaux. Seulement, la famille a décidé de déposer en fait tous les dessins originaux parce que quand on rachète les droits en fait de ce livre, Le Petit Prince, on rachète l'histoire mais on rachète aussi les dessins originaux pour que ça soit plus crédible. On peut ne pas utiliser les dessins originaux mais c'est pas crédible. C'est pas le vrai livre, Le Petit Prince. Et donc la famille a déposé tous les originaux, les dessins originaux en marque. Ce qui fait que si on veut encore rééditer ce livre-là, avec les dessins originaux, il faut encore payer des droits. Le professeur Roger Bruno Rabinlein s'est chargé de la traduction de l'histoire qu'il fallait garder dans sa forme originale, une autre exigence de la famille de Saint-Exupéry. Au bout de 2 ans de négociations et avec les appuis de différentes entités, 200 exemplaires de Ilay Andjiandai Kel étaient de nouveau disponibles sur les rayons des librairies locales et étrangères. Une occasion pour les collectionneurs du monde entier d'acquérir la version malgache du Petit Prince. Ce qu'il faut savoir, c'est que... En 2017, là, je vois sous mes yeux, Le Petit Prince a été traduit en 300 langues. C'est-à-dire que c'est un des livres le plus traduit au monde, après la Bible et le Coran. Édité en bilingue, car rare dans d'autres pays, la version malgache du Petit Prince est exceptionnelle. Elle présente un intérêt pédagogique important. Pour nous, c'était important aussi, parce que ça permet aux enfants aussi d'apprendre le français à partir du texte en malgache. Donc on fait beaucoup de livres bilingues dans la maison d'édition. Face à la lourdeur des démarches et le coût de l'opération, Marie-Michel Razaf Tsalam estime que renouveler l'expérience exige un partenaire financier solide. Actuellement, ce n'est plus du tout possible de rééditer ce genre de livre parce que c'est tellement lourd financièrement. Et je pense que ça pourrait être assez difficile aussi de renégocier les droits.
Il faut vraiment faire un gros tirage et c'est trop lourd en investissement financier. L'ING Hyundai Keli est donc en passe de devenir un objet de collection qu'il faut garder précieusement.